Et on va parler aussi de soi-disant libération des forces spéciales. Vous savez, il faut que le monde cherche. Il faut que Doumbouya cherche que on n'est plus dans les années 1600. On n'est plus dans les années 1800. On n'est plus dans les années 1500. On est dans les années 1900. Ou bien, maintenant, on est dans quelle année même? Les temps? Là, on est en 2000. On n'est plus en même. Ah, qu'on parle là. On n'est plus en même 1900. On est dans les années 2000. On est dans 2022 précisément. Donc, Mamadi Doumbouya, si tu penses que l'année, les années là, là où on est là où le monde est en contact, là où le monde est connecté, là où il y a plus de. Tu ne peux te perdre nulle part. Aujourd'hui, partout où tu veux aller dans le monde, arrivé à destination, il suffit de prendre ton téléphone, tu mets le Google là où tu veux aller, on t'envoie. Tu vois toi-même. Donc, Doumbouya, si tu penses que toi, c'est en cette année 2000-là, toi, tu vas venir berner les gens. Mamadi, aucun Guinéen n'est ton enfant. Tu ne peux berner aucun Guinéen. On ne va pas accepter ça. Je dis, dans ça-là, on est dans ça. On est dans ça jusqu'à ce que tous les Guinéens vont ouvrir leurs yeux pour qu'ils sachent que nous, ce qu'on est en train de faire, on ne le fait pas pour nous. Moi, si je veux, je vous dis, je ne dis rien, personne ne me voit, je vais disparaître. Je vais à l'école, je finis mes cours, je vais au boulot, je finis, je reviens, je m'en fous. J'ai la meilleure vie, rien ne me manque. Mais quand je fais ça, je me dis que j'ai trahi mes frères et sœurs guinéennes, parce que ce que nous sommes en train de faire ici, c'est pas tout le monde qui ose de le faire. Sur les réseaux sociaux, dès que tu te présentes sur les réseaux sociaux, c'est deux choses. On t'insulte ou tu insultes. Donc, c'est ce qui fait que les gens ont eu peur. Il y a des gens qui veulent sortir, faire des discours, parler, mais les gens s'en foutent. Même quand tu viens deux fois, tu fais en direct, tu es là en train de parler de Dieu, de Allah. Il y a des gens qui vont venir t'insulter. Donc, il y a des gens, ils n'osent pas les réseaux sociaux. Il y a des gens, ils ne regardent même pas les directs quand on est en direct. C'est après avoir fini le direct, maintenant, ils viennent regarder. Pour ne même pas qu'ils rentrent dans le direct et que certaines personnes les voient dans le direct. Mamadi Doumbouya, on va parler de tes soi-disant libérés. Mamadi, les gens là ne sont pas libérés. Peuple de Guinée, je prends la communauté internationale, d'abord nationale et internationale, et le peuple de Guinée, nos frères africains, les jeunes du Force spéciale, que Mamadi Doumbouya a arrêté en disant qu'eux, ils avaient volé parce que l'argent que lui, Doumbouya, il a pris dans le palais Sékou Touré, il sait qu'il n'allait pas rendre ça. Et il sait qu'il y a un intendant. Et il sait qu'on savait, en fait, ceux qui étaient à la présidence là, il sait ce qu'ils ont laissé à la présidence. Et donc, tôt ou tard, il y aura une justice pour ça. Pour ne pas qu'on dise que c'est lui, il a sacrifié certains de ses frères qui ont tout donné, qui l'ont donné ce pouvoir, qui se sont sacrifiés, qui étaient dans le palais pour prendre le pouvoir et le remettre. Donc, vu qu'il voulait sacrifier ces derniers, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les gens là, que c'est eux qui ont volé. 7 mois de prison ferme à la maison centrale. Et hier, qu'est-ce qui se passe? Mamadi Doumbouya, à 0 h de la Guinée, le papier. Comment est-ce que si la justice libère quelqu'un? Hé, Mamadi Doumbouya, c'est moi qui te dis, je dis, tu es un imbécile. Le mot là, je veux te le dire jusqu'à ce que tu vas reconnaître que tu es un imbécile. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est le boulot d'un imbécile, Mamadi Doumbouya. Tu es une pourriture. La justice a libéré des gens.
Ils sont allés à la cour d'appel. La cour d'appel a libéré les gens. Toi, Doumbouya, tu as dit à je ne sais qui de faire le pourvoi. Faut pas qu'ils sortent. Ils ont fait le pourvoi à la cour d'appel. Ils sont allés en cassation, ils sont allés à la cour suprême. La cour suprême a regardé, le dossier est vide. Doumbouya, c'est pas tout magistrat qui préfère l'argent hein, que son serment. C'est pas tout magistrat qui ose Dieu. Hein. Il y a des magistrats, eux, ils n'osent pas Dieu. Il y a des magistrats, quel qu'en soit quoi, la somme ou le pouvoir que tu as, ils n'ont peur que de Dieu. Ils diront le droit. Tant qu'ils ont dit le droit, la Cour suprême a libéré les gens là. Parce qu'ils ont vu que le dossier est vide. Ils n'ont rien pris. Ils n'ont pas volé. Ils ont cité deux de tes hommes. Eux, ils n'ont qu'à venir. La justice les a appelés. Ils ne sont pas venus. Ton adjoint qui est un autre commandant Mouktar Kaba. La justice les a fait appel parce qu'ils étaient tous ensemble au palais. Comme lui, c'est ton ami, c'est ton confident en quelque sorte. Et il y avait ton petit Bill, qui n'est pas militaire. Il n'est pas du tout militaire. Qui suit tes sentiers. Il était là-bas. La justice a demandé à ce que les deux autres personnes aussi viennent. Tu as refusé qu'eux, ils viennent. La justice a vu que c'est un truc monté de toutes pièces. Tu veux juste les écarter de toi. Tu veux juste parce qu'aujourd'hui, tu es un ingrat, tu es un net, non. Tu es un bon à rien. Tu es une pourriture. Tu es une saleté, Mamadi Doumbouya. Donc, vu tu as voulu te débarrasser des autres, l'autre commandant qui est Ali, et l'autre capitaine qui est Souleymane Bangoura, et l'autre aussi qui est capitaine aussi, Tete Kaka, et l'autre aussi est Kamano. Tu as voulu te débarrasser de tes 8 petits de force spéciale. Tes jeunes actifs. Ceux qui t'ont donné les tic-tac. C'est Souleymane Bangoura. Il fait partir des hommes qui t'ont dit comment marcher pour ne pas que les autres militaires vous attaquent. Comme tu as vu, les gens là, ils sont expérimentés. Tu sais que Ali n'est pas comme toi. Ali a fait l'école, l'académie. Il ne s'est pas retrouvé comme ça de jour au lendemain dans l'armée. Il a fait l'école depuis quand il était petit. Depuis à l'âge de 7 ans, il est parti, il a fait l'académie. Il connaît, c'est l'école militaire qu'il a fait. Donc, vu que tu as peur et que tu es homme, tu sais combien de fois et tu sais qu'il fait partir des personnes qui ont formé les hommes de force spéciale dans le passé. Ils sont venus te maquiller, toi. Tu sais qu'ils sont venus te maquiller pour te dire que c'est toi le comment je vais dire, à la tête du force spécial. Doumbouya, hier nuit, si une justice libère des gens, pourquoi pas attendre le matin, parce que le document n'est pas venu la nuit, tu viens à 0h, tu envoies tes hommes là-bas, ils viennent prendre les gens là. Les envoyer destination inconnue. Hey, peuple de Guinée. Hey, la communauté nationale et internationale. N'acceptons pas pour une deuxième fois. Vous savez que les gens qui ont été tués au palais Sékou Touré, qui a vu leur corps? Qui sait où ils sont enterrés? Alpha Condé, là, qui sait il est où? Arrêtez de dire que les jeunes de force spéciale sont libérés. Ils ne sont pas libres parce que leur famille ne les a pas vus. J'ai appelé leur famille. Personne d'entre eux n'a vu leur mari, personne d'entre eux n'a vu leur enfant. C'est quel genre de liberté ça? Ils sont libérés pour aller où? Dit qu'ils sont transférés de la maison centrale et aller les mettre en prison quelque part. Quelle libération! Moi j'ai parlé avec leur famille, personne d'eux n'a vu leur famille, personne d'eux n'a eu à communiquer avec leur famille. Mamadi, si quelque chose arrive aux gens là, on va pas te laisser toi Mamadi Doumbouya. Tu penses que ce sont tes enfants, les gens-là? Qu'est-ce que tu crois en quoi, Mamadi Doumbouya? Tu penses que la Guinée t'appartient? Tu te crois en quelle année? Hé, Mamadi Doumbouya, tu es un maudit. Qu'est-ce que le Guinéen a fait pour toi t'avoir comme un imbécile devant la tête des Guinéens? Parce que tu n'es pas président. Tu es un assassin.
Tu es un bon arrière, Mamadi Doumbouya. Tu es une honte pour le peuple de Guinée. Tu es un imbécile. C'est moi qui le dis, Fatou Niele. Mamadi Doumbouya, président CNRD, tu es un imbécile. C'est Fatou Niele qui le dit. Il t'a imbécile ni là. Donc, la Guinée mère. Nere n'a fait ce beaucoup. Nere ou en fait. Agé bara libéré. Force spéciale mère mou libéré de. Et la famille mou yomé tori. Libération mou n'a qui de. Doumbouya mère farané. Et sende, guerre li di. Palais mon mère, et palais se koutoureya. Nde bara na fureto. Nde na tourne ragata den nare. Amara bari Doumbouya mi ñaari nara mi xinu ñaaru affaire ba ki birin na xumane Doumbouya mu fango donc alpha condé na den na xaytu ndé alpha condé iré kolon mi xiyo ana wa ta fa la gabara di me beñi maison centrale né ra forio metor engé metor ira giné metor ira dé metor enu mi xiyo mu wéng téléphone pe beñi na naki. Justice barané libéré. Kéren. Afa opposé ané mou benyima. Justice fait libéré firing. Afa opposé ané mou benyima. Justice man fagbile libéré la du cours suprême. Parce que barato, nahan na kui, c'est vide. Anoua mané ma siga fenara. Parce que abara garou nera sendera era tic tac tra. Bane fa etanan nara bari. Alpha kwande modèle yinu siga sa ina suru. Ina ramini. Alpha modèle, pen amu garu moyara. Doumbouya, wamu bire mu Doumbouya kolo. Doumbouya fini fils wali femma at duniyema. Inara lan Doumbouyara, haligbile. Doumbouya fe kolon tare nara. Doumbouya mir borori nara. Doumbouya mir nyari nara. Doumbouya fils wali nara. Fils wali. Fils wali biringa fils wali. Doumbouya nara. Atanan ne ra maître. Atanan ne bembera. Atanan ne birina fils wali. Doumbouya. Donc, quand on a dit qu'ils étaient efficaces, Souleymane Bangoura a été en position sonnée et Rabat a été en train pour que soit en train et Alpha a été en train de RTG. Ali, Souleymane nous a été en école de la barre. Nous avons été en train de faire des choses. Et école militaire et en train de faire. Donc, ils sont bien formés et ils sont rapides. Et puis, je n'ai pas dit que je n'ai pas dit. Et je n'ai pas dit que je n'ai pas dit. Donc, nous avons été en train de faire des choses. Nous avons été en train pour que nous avons été en train de faire. Sinon, justice va me dire que je suis un frère. Il va opposer. À Sarayande, la Cour suprême m'a barato, c'est vide. Parce que Doumbouya a bord à adjoint de Nana. Et Mouktar Kaba, commandant de Nana Fana. Justice va me dire. Parce que Ali, il y a un mobile dans le palais. Afin de faire, il va me justifier. Il va justifier. Et Moutin, Doumbouya, Moutin, n'a pas de. Mouktar Kaba. Maintenant, c'est un défunt. Aha petit défunt nana, civil nyan nan nanara. Soari mounara de civil nan nana di dira. Et naga ma bil. Nafang et naga a rasga. Comme nana mama dira, c'est birin jerema. Atana a santié birin jerema. Aha fait birin atana jerema. Aha se naga la ranyenge fe nana jerema. Atana birin jerema. Et maintenant, il dit qu'il n'y a pas de temps. Justice Barato a voulu dans sa vie. Il n'y a pas de temps. 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 Il n'y a pas de Doumbouya. Il n'y a pas de temps. Maintenant, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Et maintenant, il n'y a pas de temps. 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 Il n'y a Et ma guinée me tori, et rungye khameme ma tori, et tara khameme, et ra guinée radi, miryo mouye tori, et non miryo ma mouye enki. Wona me fe tinare, donc wona nye attention, wona rafala ge baragwe nyende, wona on nyoko sa ge kom ma. Mama di Doumbouya noma ye farade, se seye soto gi force spéciale mere, mama di Doumbouya nara. Wona sa o rungye, wona fala gi homme de feu soubouk koube.
Dieu m'a dit Dumbuya fait colonne taré. Awali m'en fonctionne de Facebook ne. Donc on a ramené bé. Ouais fala gidi di me bara beni. Dieu mou beni ngi. Ana kaya fin de sara kera. Ana kaya faga ye fagaleri maliri. C'est ce que soto y dunia kui bé. M'a dit Dumbuya nara. Si le bara meri beni. Iwa ma agama kuyera. Ima aluma sindaga so agwanye. Et ton gawe mou benyengenye et transfère rire betene. Geli man nanaki. Ça aussi c'est la prison parce qu'ils ne sont pas libres. Donc arrêtez de dire que les jeunes du force spécial sont libres. Ils ne sont pas libres. Qui d'entre vous les a vus? Leur famille, propre famille, personne n'a pu parler avec eux. Ils sont libres pour aller où? Ils ne sont pas libres. Hein? Ils ne sont pas libres. Hein? Mamadi Doumbouya est entouré par des démagogues. Mamadi Doumbouya est entouré par des personnes affamées. Mamadi Doumbouya est entouré par des diasporas qui sont là, qui ne veulent que l'argent. Qui sont là pour s'enrichir. Demain, quand il y a un problème, ils vont tous fuir le pays et partir. Donc, n'acceptons pas ce que Mamadi Doumbouya est en train de faire. N'acceptons pas ça. Quand je vois aujourd'hui certaines personnes parler que tu prends les gens là, tu les remets en prison. Tu libères Jakaria, tu libères l'autre, tu les envoies. En fait, tu veux mettre tout le monde en prison. Tu veux chercher à intimider les gens. Tu ne veux pas que les gens parlent. Je vais vous dire, peuple de Guinée, IFDG, vous savez pourquoi les gens là sont allés en prison? C'est pas parce qu'ils ont volé. Hein? Ils les envoient en prison parce que vous avez tous vu le mouvement. Quand ils ont montré que le RPG vit. Quand ils ont montré que, ouais, ils ont fait les activités, on a vu les gens, ils l'ont fait trembler. Il a vu que, ouais, le RPG. Et je veux juste vous dire, IFDG, je dis, mettez quelque chose en tête. Dites-vous qu'il y a une ennemie qui est Fatou Niello qui nous parle. Mais ce qu'elle est en train de nous dire là, elle ne nous ment pas. Elle le dit consciencieusement, en connaissance aussi de cause. Si vous pensez que ce que Mamadi Doumbouya a fait du RPG, que vous, IFDG, seul toi, en personne, tu vas épargner, détrompe-toi. Tout ce qu'il est en train de faire, je dis, s'il fait 10 du mal aux RPGistes, il te fera 1000 mal. Sois clair même. Et tout ce qui s'est en train de passer là, le jour où tu vas commencer à parler, à venir, à faire des assemblées, et que les gens commencent à t'accompagner parce que on t'a même fait sortir de ce choix, ça fait partir dire que quand il y a des événements on l'accompagne et Dixine là c'est la ville, donc fallait t'éloigner de la ville, fallait t'envoyer loin. Donc le jour où tu vas commencer tes mouvements dans l'IFDG, ils vont arrêter tout le monde, ils vont arrêter tes vice-présidents. Voilà. N'oublie pas les gens qui sont avec toi, c'est des gens avec qui tu as géré autant de comptes. Donc, ils vont sortir, ils vont falsifier des documents. Voilà. Tu viens en Guinée aujourd'hui, tu quittes la maître, tu seras la personne qui a quitté Oumoura, qui est venue, qui est allée en prison. Ça, faut même pas avoir peur de ça. Une fois en Guinée, on te fout en prison. Donc, il est temps pour nous, le peuple de Guinée, de se donner les mains. Et que la date du 5 là, Mamadi doit partir. Mamadi ne doit pas rester même pour 2 mois. Mamadi ne doit plus rester. Aujourd'hui, j'ai vu les forces, le FNDC. Quand je vois certains démagogues aujourd'hui les saboter, moi pour l'instant, je ne les sabote pas. Je n'ai pas aimé ce que Kunduno, s'il te plaît, ne manque pas de respect à Alpha Condé. Il n'est plus président. Alpha n'est plus président d'après vous. D'accord? Ne faut pas manquer du respect à mon papa. Parce que moi, ce mouvement qui est aujourd'hui FNDC, je veux être dedans. Mais je ne pourrai pas être avec vous et que je sais que vous manquez du respect à Alpha Condé. Non, je ne vais pas accepter. Pour l'instant, ce n'est pas Alpha Condé qui est président. Et pour l'instant, on a un ennemi en commun. Qui est Mamadi Doumbouya. Quand Doumbouya va partir là, quand il y aura une justice là, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, Mamadi ne peut pas nous parler de justice. Un homme qui a tué des gens, un homme qui a assassiné des gens à Kindia, un homme qui a assassiné des gens au palais Mohamed, au palais Sékou Touré, quelqu'un qui a volé, qui a tous ses immeubles, quelqu'un qui a 2 maisons à Kindia, qui a 1 maison à Dubreka, qui a 1 maison à Kanta et beaucoup de terrain,
qui a une autre maison à Kakimbo, qui a une maison à l'Andrea, où il a levé l'argent là. Quelqu'un qui partait commander de bureau en bureau tous ces ministres et directeurs là. Et aujourd'hui, il a fait sortir beaucoup de gens en Guinée pour ne pas qu'eux, ils partent en prison. Il a fait sortir certains directeurs, il sait. Il a fait sortir certaines personnes, il sait, lui Doumbouya. Parce que ces gens-là prenaient soin de lui et sa famille. Donc, il ne va pas les maintenir, mais ils vont partir. Il ne veut pas qu'eux, ils vont en prison. Il veut mettre les ministres en prison parce que dans sa tête, toujours, tout ce qu'il va faire de nos ministres-là, vous, IFDG, vous allez être contents et applaudir. Pour l'instant même, je suis surpris de vous voir comme ça. Continuez ce comportement, continuez dans ça. Ne rentrez pas dans ces jeux. Mamadi, c'est un homme de Facebook. C'est le super fan de tous nous, tous qui font les directs-là. Il nous regarde. Nos messages-là, ça rentre là où on a envie que ça rentre là. Mamadi se flanque comme ça là. Il se flanque et puis il nous regarde. Ces ministres-là s'assoient, eux, ils nous regardent. Oui, les ministres, je ne vais pas vous manquer de respect parce que vous ne m'avez rien fait. Les ministres s'assoient, ils nous regardent. C'est Doumbouya qui se flanque, lui, il nous regarde. Donc là où on veut que le message là passe là, ça passe. Ça va là-bas, ça rentre là-bas, là où nous on veut là. Donc, il ne faut plus qu'on accepte qu'il nous berne encore de nouveau. Tout ce qu'il est en train de faire, prendre nos ministres, les remettre en prison. J'ai vu, par exemple, quelqu'un qui a dit que Ibrahima Kourouma en prison, bon, qu'il a, comment je vais dire, qu'il a fait tomber les maisons des gens. Et d'accord, Ibrahima a fait tomber les maisons des gens. Il va aller en prison, ok. Et actuellement, Ousmane Gaval, il n'est pas ministre de l'Habitat. C'est pas lui qui est en train de faire tomber les maisons des gens. Est-ce que c'est Ibrahima qui a fait tomber les maisons des gens? Si on dit l'État, c'est l'État, non? Si l'État fait tomber les maisons, donc la responsabilité, c'est Ibrahima, quoi. D'accord, tout ça, c'est à cause de tout ça, là, on a dit qu'Alpha n'est pas bon parce que ses ministres faisaient tomber des maisons. Ok? On est d'accord. Maintenant, là, pourquoi Doumbouya qui est venu dire que c'est à cause de tout ça, faire tomber des maisons là, que c'est à cause de ça qu'ils ont fait le coup d'état, pourquoi maintenant que le Guinéen ne se regardait pas? Le Guinéen ne se regardait pas parce qu'il y avait des manifestations. Le Guinéen ne se regardait pas parce qu'on faisait tomber les maisons des gens. Le Guinéen ne se regardait pas parce que quoi et quoi et quoi. Maintenant, qu'est-ce que le gouvernement passé faisait qui n'était pas bon, que Doumbouya actuellement, il est en train de faire. Il fait le pire même. Parce qu'on n'a jamais vu, à l'intérieur au moins. Et on ne faisait pas tomber juste pour faire tomber. Aller dans les quartiers, c'est certaines maisons qui étaient sur les bras, sur la route. C'est ça, c'est sur ça qu'on a touché. Et on a même plus touché. On a plus fait tomber les kiosques que des maisons en Guinée. On a pu se faire tomber des kiosques que des gens sont venus ou les maisons qui sont venues construire sur la route. Donc, c'est des maisons comme ça qu'ils ont fait tomber. Aujourd'hui, lui, il va à l'intérieur du pays. Je vous ai dit, Doumbouya n'a pas fait un coup d'état. Il a fait un coup d'intérêt. Doumbouya a la haine des maisons. C'est à cause des terrains. Un terrain à la Camayenne qu'on l'a refusé. C'est à cause de ça, aujourd'hui, il veut récupérer tous les domaines de l'État. Mamadi, imbécile. C'est moi qui le dis. Tu sais pourquoi je te dis imbécile à tout moment? Parce qu'il y a des gens qui ont dit, elle a insulté le président. Et pourtant, je t'ai dit imbécile. Et c'est toi. Maintenant, à chaque fois que je parle de toi, je te dirai imbécile. Je vais voir. Comme ça fait mal à certains escrocs là. Kouiba et Abara Mansanini, t'as pas vu, elle a insulté. Quel Mansa, il est mon coron. Mansa, il est dit. Il est mon tatiani. Il est Mansa, il est Kawamini. Il est Kafrikais. Il est Pharaouna. Il est mon coron, il est mon djou. Il est Haramou. Il est Afo, la moi Afo, il est ma coprésident. Président Kawamini, Kabomini. Hein? M'koyang, imbécile, il dit. Parce que nous sommes aussi notre dolakan. Ah, maman dit Doumbouya, force spéciale, molle.
Kolbal soro mama di dumbuya. Kolbal wo mo soro. Idan neye inya koroya. I antan silanta makuna. Kolbal mo wo libere. Ika libere kawadmini. E musol malie. E nal malie. E del malie. Mosi malie. Ki kalabos minuit 0h de la Guinée. Ki yalta. Kawal di mamu. Kawal di destination. Enkoni. Mosi malo emini. Mo blani ne odi. Mo blani kawamini. Awa ko ba force spéciale mo soro ne. Je suis en contact avec leur famille, toute leur famille. Je suis rentrée en contact avec eux tous. Qui, s'ils n'ont pas les nouvelles de leurs parents là, de nous parler, moi je serai là devant le peuple, devant la communauté nationale et internationale, pour leur parler d'encore de son nouveau kidnapping sur ses frères de force spéciale, quand ils sont libérés. Toi, tu n'as pas honte. Si la justice libère les gens, pourquoi tu n'as pas attendu le matin? Mamadi, awa nous, c'est ce que tu veux cacher là. C'est ça, nous, on va venir exposer ici devant le monde. Ce que tu as envie de cacher là, on va venir exposer ça ici. C'est des choses comme ça qu'on expose. C'est pas venir exposer des vocaux ou des contacts des gens ou des personnes qui nous disent des informations. C'est des choses qu'on ne doit jamais exposer. C'est des choses comme ça là, ce que tu es en train de faire là. Marmailler les gens là. Libérer des gens à minuit, aller prendre une voiture, des véhicules, prendre les gens là, les envoyer à destination. Tu penses qu'on est en 1800 ou 1600 ou 1900, Mamadi Doumbouya? On est en 2022. Donc il a panapana kumao, il a marmayo, il te sait wonala nala anuma. Iba, quand tu es marmailleur là, on va te dire, un imbécile. Tu es là avec des journalistes démagogues, des lâches, des opportunistes, des journalistes que moi je connais, des escrocs internationaux, des journalistes qui partaient de bureau en bureau pour commander, des escrocs, c'est eux qui t'entourent aujourd'hui, des journalistes qui ont fait le latalakou de Selouda Lenissi. Hein? Aujourd'hui, c'est eux qui sont avec toi parce qu'ils ont vu le mangement. Parce qu'ils ne défendent pas l'intérêt général. Ils défendent leur poche et leur ventre et leur bas-ventre. Parce que quand tu ne leur donnes pas quelque chose là, leur bas-ventre ne pourra pas fonctionner parce que, voilà, s'ils sont mariés ou leur copine, je ne sais, leur ventre là, ils sont là pour leur ventre et leur bas-ventre. Ils sont là en train de marmailler le monde. Vous pensez que nous, on va accepter ça pour vous? Vous pensez que nous, on va s'asseoir ici et se taire? Vous pensez que parce que moi, mon frère est en prison, vous allez m'intimider pour ça? Vous ne me connaissez pas, moi. Moi, l'intimidation ne marche pas. On n'essaie même pas de m'intimider, moi. Moi, c'est à cause de Allah et prophète Mohammed, paix salut sur lui, que je peux accepter toute chose. Je mets tout bas la terre. Mais moi, m'intimider ou faire une condition, hein, parce que vous êtes malade. Mko Doumbouyani, Mandoketa, qui y a bla. Parce que nous sommes nous, si nous travaillons, il va être là, il a yoro minno yin quoi. Mais comme nous sommes nous, ataya la do yi kono kono yin. Iba bla feu, hare moti di. Il est kafrikè, il est monstre, il est démon. Tu es un démon toi. Un escroc, Mamadi Doumbouya, un arnaqueur, un drogué. Une pourriture, une saleté. Maman dit, tu es une saleté. Avec tes sales boulots là, tu vas te dégager, tu vas aller te faire foutre. Maman dit, Doumbouya, tu vas aller te faire foutre. Tu es un bandit, tu es un assassin, tu es un drogué. Donc si quelque chose arrive à nous, nos frères de force spéciale, hey, les gens là, on a mis l'œil sur eux. Les gens là, le monde a parlé d'eux, le monde parlera d'eux. La haine et la jalousie que tu as. Parce que tu sais, si eux, ils sortaient un le matin, avec la presse, avec les gens qui allaient les accueillir, tu ne veux pas. Maman dit, tu ne peux pas forcer. Hey, même en te voyant là, personne ne peut t'aimer. Tu n'es pas aimable, tu n'es pas adorable. Tu sais pas, il y a des gens, tu les vois seulement, tu les aimes. Mais quelqu'un qui te connaît, quelqu'un qui connaît l'être humain, on te voit seulement, on voit l'ethno, on voit le méchant, on voit le démagogue, on voit l'ingrat, on voit le criminel, on voit le drogué.
on voit le bordel dès qu'on te voit. Donc, toutes ces qualités, des choses, des défauts que j'ai dit là, c'est des choses, c'est pas des... Personne ne peut aimer ça sur quelqu'un. Même si tu as un, les gens ne vont pas aimer. Et dès qu'on te voit, c'est ça qu'on voit sur toi. Donc, personne, tu n'es pas aimable. Tu veux forcer les gens. Tu veux faire le forcing. Tu veux faire du populisme. Tu veux que les gens t'acclament. Tu veux que les gens disent comme ce que font tes démagogues qui sont entourés des journalistes bidons. Le 1m20, quand je vois cet homme en train de parler, il pense qu'on est à Paris ou aux États-Unis. Il est là en train de faire tes zéloses dans le faux, dans le vide. Dans le mensonge, 1m20, tu n'es pas gêné, toi, un journaliste démagogue comme ça, des journalistes démagogues. Mais peuple de Guinée, je vais vous dire ce qu'on va faire. Vous avez vu les radios qui sont là aujourd'hui en train de parler, de soutenir Doumbouya. C'est ces radios-là qu'on doit dénoncer. C'est qu'on doit boycotter. Que personne, parce que quand tu entends eux, ils parlent là. Comme eux, ils ont dit actuellement, Doumbouya a l'air d'un tout là. Doumbouya n'a qu'à l'air tout.